45 km au programme du mémorial Léo Monelli pour les 63 coureurs qui étaient présents ce dimanche matin pour le départ de cette 29e édition. Pas de ronde d'observation, dès les premiers kilomètres, les attaques fusent et 5 hommes virent en tête à la sortie de la route des plages. Il s'agit de Xavier Neviès-Crousses du Vélo Club de Sinnamary, Teddy Ringuet de l'USL Montjoly, Lucas Saint-Louis et Stéphane Méril de l'Espoir Cycliste Guyanais et José Dias Espitia du club martiniquais JC231. Très vite, 6 autres coureurs les rejoignent, parmi lesquels Patrice Ringuet ou encore le champion de Guyane Vincent Lebel. Ce groupe, désormais de 13, comptera 2 minutes 40 d'avance sur le peloton et 1 minute 15 sur 11 hommes intercalés. Après le premier passage à Roura, changement de braquet pour le peloton. Une accélération fatale tout d'abord au groupe de poursuivants. Plus qu'une trentaine de secondes entre le peloton et les hommes de tête après 80 km de course. Des mésententes apparaissent alors dans le groupe, des relais moins appuyés et les attaques fusent. Sur la Maturienne, 2 hommes tentent alors leur chance, Xavier Neviès-Crousses et José Dias Espitia. Malgré le retour d'un groupe de 9 coureurs à une poignée de secondes dans les rues du bourg de Rémire, les 2 hommes ne seront plus rejoints. À quelques mètres de l'arrivée, le Colombien de l'équipe martiniquaise, José Dias Espitia, place une attaque à laquelle ne pourra répondre le sociétaire du Vélo Club de Sinnamary, laissant ainsi filer la victoire à son compagnon d'échappée. Myron Stanis, de l'Espoir Cycliste Guyanais, décroche au sprint la 3e place du mémorial Léo Monelli. Aujourd'hui, ça a été une journée très rapide. Le groupe est sorti pratiquement comme on l'avait prévu. À la mi-course, nous nous sommes échappés avec mes coéquipiers. C'était vraiment rapide. J'ai senti qu'on avait alors l'énergie. Mais je me suis dit qu'il valait mieux se réserver pour le final. On était bien fatigués. On a souffert de la chaleur. Avec mon équipier, on a progressé. Je suis satisfait du résultat. Bon bilan pour le VCS, puisque le premier junior est Raylan Golitain, qui dévance 2 sociétaires de la Croix du Sud, Dylan Denaïs Kondo et Anthony Bonnet. Chez les 3e catégories, Everton Ferreira dos Santos du Sprint Club de Macquaria s'octroie la première place devant son Mackenson Moïse du VCS et Iverson da Silva Guedes du SCM. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.